Bon. Regardez, je vais lancer le DLC que je veux. Ok, c'est bien au drive-in. Un peu de chance, on va arriver dans les bonnes heures. Enfin, je dis un peu de chance. L'épave du satellite semble être la source d'étranges transmissions de l'étrange transmission que vous avez reçue. Old World Blues n'est recommandé qu'aux courriers expérimentés, niveau 15 et plus. Vous avez le pressentiment que si vous ne pourrez pas retourner dans la Morave avant d'avoir résolu tous les mystères du Grand, rien et que vous sera tout de même possible d'emmener tout ce que vous pouvez transporter avec vous. Et vous pourrez revenir au Grand Rien n'importe quand après avoir terminé Old World Blues. Ça c'est déjà pas mal. Si vous voulez relever le défi et que vous avez tous les objets que vous voulez avec vous, examinez le satellite d'un peu plus près. Les merveilles atomiques de la science vous attendent. Durant les années qui ont précédé la Grande Guerre, bon, ça va le peut-être grand être en stream assez court. Le foyer des plus grands esprits du 21e siècle. Les scientifiques visionnaires y furent appelés pour relever les défis technologiques de l'époque. Ils cherchaient à créer un monde nouveau, animé par les technologies, au bénéfice de toute l'humanité. Émetteurs soniques, alliages spatiaux, hybridation d'ADN, champs de force, progrès des autodocs, chirurgie crânienne, cardiaque et traumatique. Les espoirs de ce siècle se concrétisèrent dans les forges électroniques du grand centre de recherches inédites et études nouvelles. Le cœur de ces recherches était le dôme. Une immense installation rocheuse abritant des labos couvrant toutes les sciences connues. C'était un think tank capable de résoudre tous les problèmes, de répondre à toutes les questions. La Grande Guerre apporta une énergie nouvelle au Grand Rien et à ses scientifiques. Bien qu'éloignés du front, les savants menèrent leur propre guerre, luttant à l'échelle de l'atome. Sur les tableaux noirs et les terminaux, équations et calculs se lancèrent à l'assaut d'une solution: gagner la guerre. Des années durant, les esprits et les ordinateurs du Grand Rien fusèrent de trajectoires, plans d'armes et théories nucléaires. Le nombre des problèmes dépassa celui des solutions, géométriquement, puis exponentiellement.
comme la guerre, les questions connurent l'escalade. Dans la nuit du 23 octobre 2077, les scientifiques reçurent une réponse qui éclipsa toutes leurs questions. Ensuite, les expériences silencieuses du Grand Rien sombrèrent dans le sommeil, tandis que leur créateur mourait lentement dans le monde nouveau. Et la roche massive du centre du Grand Rien demeura intacte, remplie d'innombrables merveilles technologiques. Et des merveilles qui, en fin de compte, ne constituaient que des réponses à la mauvaise question. Vous ressentez une étrange lourdeur. Une rapide inspection révèle des cicatrices chirurgicales à peine visibles sur votre tête, votre dos et votre poitrine. Toujours mes armes. J'ai ramassé de la farine. Fichier de personnalité manquant ou endommagé. Insérez-le dans le disque de sauvegarde pour récupérer les fichiers. Salut Mister X. Un étrange sentiment pacifiste vous enveloppe et vous vous trouvez incapable de dégainer votre arme. Il m'a semblé avoir entendu le champ de pacification s'activer. Bien. Chut, personne ne bouge. Je vais m'occuper de ça. Prenez garde, intrus. Vous êtes en présence du puissant think tank du Grand Rien, les génies collectifs de nous. Nom d'un petit Oppenheimer, lequel d'entre vous, d'un génie autodidacte, a touché à mon réglage de volume? Qui? C'est vous, Unit? Oh, le docteur O. Vraiment. Très probable. O serait incapable de faire réagir deux neurones dans un saladier de gelée biomédicale. Quoi? Moi? Flash d'info, Klein. Ce n'était pas moi, d'accord? Je suis l'ingénieur roboticien. Les ondes sonores sont la spécialité de 8. Il faut toujours que vous diminuiez mes mérites en face des gens. Et ce n'est pas O, d'accord? C'est... Ça suffit! Aucun de vous deux ne recommencera. Ce sera la dernière fois. Maintenant... Bon, magnifique, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Docteur Klein, une émission en provenance de la zone interdite. Elle vient droit sur nous. Ce ne peut être que... Mais ce sont mes vieux collègues du puissant think tank du Grand Rien. Un tas de grands crétins, tous.
Ici le docteur Mobius, émettant depuis son dôme d'homoïdal de la zone interdite. Une zone qui vous est interdite, oui. En ce moment même, mes robots scorpions arpentent le grand rayon armé de pinces et de dards laser. Bientôt, toute la science m'appartiendra. Même les technologies des centres de recherche du Grand Rien ne peuvent vous sauver. Alors, tremblez dans votre think tank en attendant la fin. C'est tout. Au revoir. Mobius, toujours la même émission. Sa méthodologie de recherche approximative du niveau du jardin d'enfants l'a rendu fou. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas pénétrer dans la zone interdite. Il y a des robots scorpions partout. La zone interdite, où aucun cerveau n'est jamais entré, ni n'en est revenu. À l'exception du docteur Mobius, et toutes les technologies qui pourraient nous sauver sont hors d'atteinte. Et le docteur Mobius se moque de nous. Vous avez vu son moniteur brisé? Il s'est clairement laissé aller. Hein. Quoi? Demander de l'aide au lobotomate? 8. Il faudrait vérifier le niveau de fluide de vos pompes à asservissement logique. Si ce lobotomate a répondu, docteur Klein, c'est qu'il est clairement intelligent et dispose peut-être même d'un niveau inconnu d'utilité. Mais... et son cerveau? Nous l'avons extrait. Nous ne savons même plus où il est. Quant à le remettre en place, aucun d'entre nous ne sait comment. Certes, mais il est toujours conscient et réactif. Regardez-le. Il nous observe en ce moment même, avec ses grands yeux d'ours en peluche. Si nous lui demandons poliment, en laissant de côté la lobotomie inutilement cruelle, il pourrait être favorablement disposé envers nous. Nous vous avons retiré votre cerveau, oui. Si doux. À peine aidé, et pourtant si... rempli de connaissances et d'expériences. L'extraction cérébrale est une intervention banale au grand rien, depuis un temps considérable. Une fois le cerveau ôté, vinrent les bobines. Les bobines Tesla. Les bobines de Nikola Tesla. Aptitude cervelée. Si l'on en croit le think tank, votre cerveau a été remplacé par des récepteurs Tesla. Votre tête ne peut plus être mutilée et résiste désormais à la dépendance à la dope, résistance de 25%. Et au choc lié aux dégâts corporels, résistance aux dégâts de 5%. Vous ignorez comment vous arrivez encore à marcher, à parler ou à comprendre ceci. Oui, inutile de fanfaronner, 8. Où que soit votre cerveau, il vous transmet des pensées via le... quoi déjà? Les bobines Tesla, dans sa tête. C'est une bonne chose, sur de nombreux points. Si votre cerveau se trouvait dans le dôme, vous pourriez accéder à vos centres d'agressivité. Contournement du champ de pacification. Situation inacceptable, nous n'avons jamais pris part à un combat. Nous n'y tenons pas. Je me rappelle l'époque du lycée. Et Richie Marcus. Dalla, était-ce vraiment nécessaire cette fois? J'en assume l'entière responsabilité. Je prends mes devoirs en matière d'invasion et d'excision des tissus vivants très au sérieux. Mais en réalité, l'autodoc a déjà fait le plus gros du travail. Il adore travailler. Il a mis le nez dans presque toutes mes recherches. Après qu'il a ôté le cerveau et que je l'ai égaré, les autres organes ont réclamé des ordres en utilisant vos nerfs comme des câbles télégraphiques. Au lieu de les laisser envoyer leurs signaux, je les ai aussi enlevés. Chut, petits organes, dormez dans vos récipients. Dalla vous aime. Au commencement était le cœur. Attitude sans cœur.
La cicatrice sur votre poitrine confirme les dires du think tank. Le poison n'a pas d'effet sur vous et les filtres de votre pompe artificielle réguleront la circulation sanguine et la guérison. Tous les objets de soins, dope, seront donc plus efficaces, plus 25%. Vous créez de la confusion chez les robots, réduisant leurs chances d'infliger un coup critique de 50%. Attendez, je veux dire, en deuxième était le cœur. Le cerveau était là, le premier. En troisième, vint la colonne vertébrale. Attitude invertébrée. Suite à des complications durant l'opération, votre colonne vertébrale a elle aussi été remplacée. Votre torse ne peut plus être mutilé. De plus, votre force et votre seuil de dégâts SD ont été augmentés de plus 1. La colonne vertébrale. C'est un surfait. Cet empilement de ciné dorsaux. Admirez mes courbures lombaires et thoraciques. Ça n'a jamais servi à rien. Je préfère les invertébrés. Cet autodoc déficient était l'une des créations de Mobius, comme le reste des bricoles parlantes du grenier. Ensuite, le cerveau s'est perdu. Pas au sens métaphysique. Il a peut-être fini dans une des conduites. C'est même probable. Si c'est le cas, c'est parti par la chasse d'eau chez Mobius. C'est le bruit d'une chasse d'eau. Par la scissure de Rolando, assez discuté de ses interventions biologiques. Lobotomate, écoutez ma voix. On dit Adam Jensen. Cela me dénominatise de vous le demander. Mais nous avons besoin de votre aide. Selon toute probabilité, c'est Mobius, notre ennemi, qui a votre cerveau. C'est mauvais signe. Il va certainement chercher à s'emparer des nôtres. Nous voulons que vous l'en empêchiez, d'une manière ou d'une autre, grâce à la science. C'est exact, oui. J'espère que vous n'avez pas de ressentiment envers nous. Si c'est le cas, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'en savons rien. Ces interrogations n'ont aucun intérêt pour nous. Pourquoi nous poser des questions aussi secondaires? Arrêtez! Nous avons besoin de ces technologies. Vous avez besoin de les obtenir. Vous devez vous les procurer. Votre forme primitive offre des équipements permettant de récupérer les technologies, ce qui n'est pas notre cas. C'est assez gênant. Vous avez des mains et un cœur et des yeux, mais surtout des mains. Il y a des poignées de porte, des casiers et... Assez! Nous avons besoin de votre aide. Allez-vous nous aider? Excellent! Ça s'annonce beaucoup mieux que l'idée d'activation des protocoles de repli dans ma salle que j'avais eue auparavant. Entendu. Oh, et j'ai utilisé mes compétences en robotique pour transmettre les ondes radiocartographiques à... Du calme, 8. Il ne m'aurait fallu qu'une seconde, d'accord? 8 a transmis les dernières coordonnées connues des centres de recherche. Ils se déplacent parfois. Ou ils sont enfouis. Ou explosent. 8 a raison. Il ne nous faut que les plans. Mais nous n'avons rien contre les concrétisations technologiques, cependant. Alors ne cédez pas à la paresse biologique coutumière et apportez-les. Vous avez une nouvelle colonne vertébrale, servez-vous-en! Et même si vous mourrez lors de la récupération, le simple fait d'atteindre les plans nous les auto-transpédira, ce qui suffira pour nous. Ce lieu n'est pas plus dangereux qu'un site d'explosion nucléaire. Nos technologies ne sont pas plus létales qu'un canon Tesla en surcharge. Les technologies sont le réseau d'antennes X2 qui sert à concentrer la pensée cohérente à une fréquence excessivement élevée. La tenue furtive psychanalytique à amortissement cardiaque. Une tenue que rien en ce monde n'a jamais vue et ne verra jamais. Et le projecteur émetteur d'ondes soniques de 8, capable d'émettre des sons à des fréquences létales. Également idéal pour le massage de biogel. Voilà.
vous savez ce dont nous avons besoin. Nous estimons que si vous vous concentrez, cela devrait vous réclamer peu de temps, selon nos critères. Si vous travaillez vite, nous vous remettrons un témoignage de gratitude. Nous ne pratiquons pas ces gestes de l'ancien monde à la légère, hein? Ce sont exactement nos intentions. L'important est de vous dépêcher de mener à bien cette tâche afin de ne pas nous faire perdre notre temps. Oubliez toute curiosité ou vous finirez comme le chat de Schrödinger. Nous craignons que vous soyez tentés d'explorer le cratère et d'examiner les nombreux labos superflus étonnants situés hors du trajet indiqué. Nous décourageons les explorations optionnelles. Faites vite. Comme si vous aviez des œillères et laissé de côté les curiosités diverses. Ces sciences et ces développements, ignorez-les. Laissez l'impatience et le désir d'en finir vous guider d'un pas alerte et insouciant. Bravo, 8. Dans nos résultats, nous indiquerons la vitesse avec laquelle vous avez réussi notre défi de l'habit. Nobel. Après tout, le temps ne manquera pas pour mener des expériences. Le petit ours en peluche pourrait courir vers le périmètre des pylônes sur ses pieds épais, ce qui... La clôture radar qui entoure le cratère du Grand Rien vous empêchera et évitera de... La clôture radar nous protège tous. Approchez des poteaux clignotants et l'avertissement de proximité vous avertira que vous êtes trop près. Si vous en approchez, votre vision se trouble et les électrodes de votre tête s'éteignent l'une après l'autre. La dégradation nerveuse à long terme pourra être accompagnée d'une perte de mémoire par absence de connexion d'un cerveau à votre système nerveux. Mais inutile de s'inquiéter pour cette dégradation nerveuse. Elle n'apparaît qu'au terme de plusieurs vies. Or... Mais ces petits désavantages ne sont rien à côté du grand avantage et convoyage. Vous voyez, si les pylônes vous font perdre conscience, vous regagnerez le cloaque. Oh... Docteur... Quoi? Le lobotomate me demande des choses, oh, et j'essaie de l'ignorer. Mes processeurs sont incapables de vous ignorer tous les deux en même temps! Eh bien, vous savez qu'on lui a demandé d'aller chercher l'émetteur sonique. En fait, on l'a déjà. Incroyable, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Une fête de la science de collège? Reprenez-vous! Vous nous faites passer pour des partisans de la sphéricité terrestre. Vous êtes toujours en train de crier. Mes récepteurs n'en peuvent plus. Et moi non plus! Je crie parce que vous, tas de spécimens contaminés, vous ne pouvez pas vous empêcher de manipuler le bouton du volume de mon module vocal! Le lobotomate prononce des paroles plus sages que vous autres, génie. Bien. Si nous avons le projet Xenobidule, pourquoi, au nom d'Heisenberg, avons-nous besoin de quelque chose en X-8? Je pense qu'il faut intégrer une nouvelle fréquence à l'arme. Elle peut diffuser de nombreux sons une fois chargée. Mais nous ignorons la fréquence. Et c'est perdu en X-8. Comme X-8 est à jamais perdu pour nous. La tristesse de mes jours de lycée. Oh, vraiment, boss? Au lycée, vous ne faisiez que moucharder en traitant de communistes ceux que vous n'aimiez pas. Donnez l'émetteur. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il est en train de sonodécharger dans l'arme. Pour la... chauffer. Donnez ça au lobotomate. Oh. Je le ferai si vous deux subissez la honte de vos propres besoins technologiques. Laissez-moi pratiquer d'abord une petite stérilisation sonique. Tenez, mon petit ours en peluche. J'ai éliminé toute déjection de code de terminaison de Robco. Propre,
Impeccable pour vos mains. Mais qu'est-ce que ça a dit? Cracher? Oh, je crois que son objectif est de se procurer un pistolet à combustion. Une arme? Vous êtes fou! On ne peut pas lui donner une arme! Les armes tuent, font... Le docteur 8 a raison. Nous avons déjà confié à l'ours en plus un rayon sonique létal, gorgé de décharges audio et stérilisé par Mundu. Remettre à l'ours en plus une arme reviendrait à enchaîner un verre de cigu et une gorgée d'abraxo. Délicieux. Bien, s'il faut recourir à la méthode socratique, donnez au loboto-ours une arme à combustion. Borus, n'avez pas quelque chose de ce genre? Vous êtes fou? On... Attendez, j'ai déjà dit ça. Oui, j'ai l'arme à cyberchien. Avec les oreilles pendantes en métal et le drôle de petit capteur nasal. Voilà. Bien, voilà qui est réglé. Cette arme me met mal à l'aise, de toute manière. J'ai toujours peur qu'elle perfore mon châssis. Bien, Borus. Munitions, étagère du haut. Voyons, pointe creuse, inefficace mais goûteuse. Et il y a... Les CPP risquent de le rendre malade et de lui donner la diarrhée, mais... Mmh. Oui, je crois que l'électronique de Watts n'offrait pas une durée de vie bien longue aux piles. Certainement. Ah voilà, je mange. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de... Les secteurs se retrouvent toujours à court de piles avant le point. D'attendre que ces guignols finissent leur putain de monologue. Je crois que Watts a fabriqué des holodisques ou holobands. Je confonds toujours. Vous en avez? Pourquoi? Après, on mange tôt quand même. Laissez tomber. Je ne veux pas savoir. Et non, je ne veux pas manipuler vos piles. Passez-les vous-même au lobotomate. Ne pointez pas ça n'importe où, cet appareil n'a pas toujours été une arme. C'est... Les champs de force... L'émetteur sonique a été conçu pour désactiver les champs de sécurité du grand rien. Quand certains ont perdu leur carte d'accès, le docteur O... Ça n'est arrivé qu'une fois, et je sais que vous avez utilisé un champ de furtivité sur mes clés de labo, Dalla. Espèce de formographe. Il y a déjà plein de rembobinats. Oui. Peut-être. Eh bien, non. Pas pour l'instant. Ouais, on a perdu cette partie des plans. Ou Borus, dans l'un de ces stupides labos. C'est perdu. Bon. Putain! Il y a d'autres puces? Vous... Il interroge, oui. Une fois en... Encore une fois. Ah oui. Vingt-sept de dégâts. Du 357, ouais, ouais, ça me va. 31 de dégâts.
Il y a bonus vers contre les robots, armure assistée paralysée sur coup critique. Mon Dieu. Bon. Et sur ce, c'est la fin du stream. Ouais, est-ce que comme j'avais dit, ce sera un court stream. Enfin. Normalement, demain, je devrais poster la dernière vidéo de Far Cry 4. Et voilà. Je sais pas ce que je ferai à la place de Far Cry 4. Je pense que c'est pas le film, c'est tout. On souhaite. Donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine. Vu que je travaille de nuit, je ne reviendrai pas après. A plus.